Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 276 de C'est Joanne et nous allons jouer aujourd'hui à Velocibox. Velocibox qui est un jeu, excusez-moi, je regarde en même temps, qui est un jeu de réflexe et d'action que vous allez pouvoir voir ensemble. On va voir le voir ensemble. Alors pareil, ça fait partie des épisodes que j'ai enregistré 4-3 fois déjà, voilà. Donc comme un peu hier, voilà. Donc je connais le jeu, voilà. Soyez pas surpris, je connais le jeu, je vais pas forcément être très bon quand même. Vous allez comprendre très rapidement. Velocibox, c'est un jeu qui est très beau, très rapide. Ça m'étonnerait que le test dure super longtemps. Parce qu'il voit un peu, ça va être très très répétitif. Puis bon, on est parti, arrêtons de parler. C'est parti. Velocibox, flip, left, right. 3 touches. Alors moi, je vais jouer avec la manette parce que c'est possible. Allez, c'est parti, mon petit. Est-ce que vous comprenez déjà le gros délire? J'appuie pour sauter, pour passer de l'un à l'autre. Oh, oh, oh. Et ah, putain de ta mère. Et voilà, game over, c'est reparti. Et on est reparti. Le but, c'est de pouvoir se déplacer. On peut se déplacer sur les murs. Le but, c'est de récupérer les bobettes. Ah. Et on perso. Et je crois que je suis arrivé, voilà, au niveau 2 maxi pour l'instant. Hein. Parce que c'est juste infaisable, en fait. Par contre, c'est toujours un peu la même chose. Donc, bon, du coup, au bout d'un moment, vous allez vous habituer. Voilà. Il n'y a rien d'autre que ça dans ce jeu. Voilà, je suis désolé de vous apprendre ça, mais y a rien d'autre, c'est ça le jeu en fait. Donc c'est pas facile. C'est pas facile du tout, hein. C'est pas fait pour les gens, hein. Oh, oh, yo, yo, oh, yo, ouah, ta mère. Et voilà. Est-ce que j'ai battu mon record? Non, 1369 contre 1394 de mon record. Et c'est parti. Le but, c'est toujours de récupérer des fucking boîtes. Oh, sauf que quand vous perdez, c'est un peu la merde. Alors au début, j'ai vraiment eu du mal à y jouer, parce qu'en fait, je n'arrivais pas à comprendre la logique. Oh putain de ta mère! Ah putain de ta mère! Et j'avais des scores qui étaient vraiment ridicules. Enfin là, ils sont toujours aussi ridicules, sauf que bon, bah, un peu moins qu'au début, forcément. Et si vous touchez le moindre bord, vous êtes mort. Level 1, begin. Yo, yo, yo. Ta mère. Ta grosse putain de mère. Ok, allez, c'est parti. Allez, c'est rien passé, on commence à jouer. Ok, j'aurais pas dû sauter une deuxième fois. On a tendance à revenir tout de suite alors que ça sert à rien. Tous les sens sont bons. Tous les sens sont bons, faut surtout pas se dire que... Faut surtout pas se dire que... Que... Oh, sorti. Alors là, le but, c'est vraiment de pas toucher. Alors là, ceux qui sont roses dans l'autre. Hein. Allez, sorti. J'aimerais bien commencer directement au niveau 2, mais pas comme ça que c'est pas comme ça que ça marche dans ce jeu. C'est vraiment un jeu de barjo. Ah ta mère. Ça fait 4 minutes qu'on joue. Je pense que vous en avez déjà marre. Level 1, begin. Level 1. Il y a moyen d'y jouer sans trop sauter. Ah, ta mère. Il y a moyen d'y jouer sans trop sauter comme ça, là, par exemple. Yo, 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 yo. Ouh, j'ai battu mon high score devant vous en live, c'est trop la classe. Allez, c'est parti. Ça m'étonnerait que j'arrive à le rebattre par contre. On va pas vous faire trop d'illusions. Hein.
Allez, c'est parti. Level 2, succès déverrouillé? Comment ça succès déverrouillé? Je l'ai fait qu'une fois. Enfin, je l'ai fait plusieurs fois, le level 2, plusieurs fois qu'on y va. Le but, c'est vraiment de récupérer des carrés tout en évitant, donc du coup... Ah, ta mère! Je dis tout le temps ta mère en ce moment, c'est... Faut que j'arrête, stick de langage. Y'en a qui apprécient pas qu'on insulte les putains de mère. Non, non, alors, on va insulter les sœurs, tiens. La sœur du mec qui a fait le jeu. J'y allais pour rien, mais... Mais il y a vraiment des gens, c'est des barjotes! Oh, putain! Quand vous avez perdu, ça sert à rien de continuer. Hop, faut tout de suite recommencer. Allez, on va con. Alors, c'est typiquement le genre d'endroit qu'il fallait pas sauter comme j'ai sauté. Hein, voilà. Ne faites que ce que je dis, faites pas ce que je fais, bordel de merde. Je pense que je connais quelqu'un qui, une fois qu'il aura vu ce jeu, il va vouloir y jouer pour battre mon score. Et il va péter des câbles devant son ordi. Et il se reconnaîtra, bordel de merde. Bon, en tout cas, ils se reconnaîtront, je pense, parce que vous êtes plusieurs à vous dire « Ah, c'est facile, il suffit de tourner... » Eh ben non. C'est non, 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 non. Même en connaissant par cœur les trucs, les formes, les mouvements, vous savez comment ça va se faire. Et bah non, ça suffit pas. Voilà. Level 2. Ouh. Wow, 2294. Ouh, j'ai menti, je pensais pas que j'arriverais à me... Non, attendez. Bon, alors, parlons du jeu. Voilà, y a pas grand chose à dire, en fait. Hein. Il est tout bête, hein. Il se joue. Il se laisse jouer, en tout cas. Graphiquement, ça va pas chercher loin. Mais alors, logiquement, vas-y, ta mère, quoi. Ah, ta sœur. On a dit qu'on insultait les sœurs et pas les mères. Parce que les sœurs, elles peuvent se défendre. Soit ça dépend. Ça dépend. Si elles sont fragiles, non. Gagner à tous les coups. Je vois même pas comment je pourrais arriver au level 3 un jour. Est-ce que ça semble imaginable, faisable? Je ne sais pas. Allez. Level 1. Allez, on va pas tarder à s'arrêter parce qu'on commence à connaître le jeu. Puis je veux pas vous saouler non plus. Le but c'est de vous faire découvrir le jeu. Ça changera un peu de vidéo, des fois qui font 20-30 minutes, bah on aura une vidéo à 10 minutes. Hop, en même temps c'est pas un jeu qui donne prétexte à faire plusieurs. Voilà. Il faut vraiment revenir sur l'autre, quoi. Sur l'autre côté à chaque fois. Quoi. Score to beat, j'ai dit. Ça compte pour du beurre. Voilà. Allez, le dernier. On se dit toujours, c'est ça qui est horrible avec les casuals comme ça. On se dit toujours, c'est la dernière fois. Ah,
C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Je passe une nouvelle fois au niveau 2 et j'arrête. Promis. Promis, j'arrête. Surtout que c'est vachement rapide. Ah, ta mère. Non, je vais y arriver, passer au niveau 2. S'il vous plaît. Si je le dis et je vais... Ah putain, je vais jamais y passer. J'ai dit que j'allais y passer. J'arrive même plus à récupérer un cube, quoi. Laissez tomber. Oh putain, je passe même plus le premier obstacle. N'importe quoi. Oh mon dieu, je suis devenu nul. Ouh, je suis devenu nul, c'est un signe. J'ai toujours été aussi. Ouais. Je suis un handicapé. Oui. Niveau 2. Voilà. Voilà. Velocibox. Donc Velocibox, si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer. Putain, jouez à ce jeu sans déconner. Au moins, prenez-le. Je sais pas comment il coûte, 1€, 2€, j'en sais rien. Prenez-le. Ne serait-ce que pour faire bader les... Vous invitez quelqu'un chez vous, c'est joli, c'est beau. Et il y a de quoi faire bader tout le monde. Tout le monde. Voilà. N'importe qui se prendra au challenge. Et puis en plus, comme c'est rapide, c'est des parties ultra rapides, c'est facile. Je pense qu'il y a moyen de faire une sorte de petit... de petits challenges entre amis ou un truc comme ça, t'invites quelqu'un, vous invitez des gens, voilà, ceux qui veulent plus loin, quoi. Truc de fou. Il y a moyen de passer une bonne soirée. Rien qu'avec un jeu qui fait que dalle, il fait 50 mégas, voilà, y a rien, quoi. Voilà. Enfin, déconner. Donc, je vous dis que si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous, faites connaître la chaîne, je ferai plein d'autres jeux dans ce genre-là. Celui-là du coup bah, ça faisait un moment qu'il me tournait autour, donc je me suis dit tiens, Velocibox, il a l'air bien noté, bien voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, on va regarder, et puis je regarde pas, c'est vachement bien, c'est rageant mais c'est vachement bien. Allez, je vous laisse, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là portez-vous bien, salut.